Séance est levée, qui va être secrétaire de séance? Marie-Leu, très bien. C'est pour lire la séance du 28 août. Assez fort pour qu'on puisse l'entendre, si vous êtes loin du micro, s'il vous plaît. Séance du 28 août 2012. Avant de commencer la séance, Roselyne Allard demande pourquoi on ne fait plus les réunions de conseil dans la salle des fêtes, compte tenu qu'il y a de plus en plus de public qui assiste à ces réunions et vu l'exiguïté de la salle. Nombre de personnes restent debout. Madame le maire répond que nous avons une belle mairie et que dans cette salle contiguë au secrétariat, tout est sur place. Il y a tous les documents et ordinateurs que Monique de Dieu pourra consulter en cours de séance si c'est nécessaire. Donc, il suffira d'ajouter les chaises. Madame le maire propose de relire le compte rendu du 24 avril dernier afin de le finaliser, le coller sur le registre et que les conseillers puissent le signer. Monsieur Bordenave intervient en signalant les modifications qu'il souhaite y apporter. Après accord à l'unanimité, le compte rendu est corrigé, imprimé et visé par tous les membres présents. Roselyne Allard lit ensuite le compte rendu de la réunion précédente, le 27 juin 2012. Madame le maire demande s'il y a des remarques. Personne ne répond. Elle indique alors qu'elle a des remarques, elle les énonce et demande qu'elles soient insérées au compte rendu. Les rectifications sont donc apportées. Premier point, budget commune entériné par Monsieur le préfet. Madame le maire prend ensuite l'ordre du jour. Elle nous informe que le budget a été entériné par Monsieur le préfet et qu'après la levée de la séance de conseil, un extrait de cette séance, à savoir Madame le maire a bien informé tous les conseillers municipaux présents que le budget avait été entériné par la Chambre des comptes, devait être envoyé à la petite chambre le lendemain matin, signé par tous les conseillers présents. Elle fait remarquer que la Chambre des comptes a entériné le budget à 90% par rapport au budget présenté en avril. C'est donc un budget qui est sage et rigoureux, notamment les travaux du cimetière. André Bordenave exprime son désaccord en disant que ce ne sont pas les comptes qu'il conteste, l'équilibre des comptes est respecté. Ce qu'il conteste, c'est que M. le préfet ait entériné des comptes sans avoir regardé les détails, notamment les travaux du cimetière et autres différents travaux d'investissement, pour lesquels il y a certainement des devis, mais nous, conseillers municipaux régulièrement élus, n'avons vu aucun de ces devis. Madame le maire lui rétorque qu'elle fait son travail en nous informant qu'il s'agit aujourd'hui d'une simple communication d'arrêté préfectoral et qu'il n'y a plus à revenir dessus et en discuter. Ce budget est exécutoire.
André Bordenave répond qu'elle fasse son travail et que lui en référerait à Monsieur le Préfet. Geneviève Leleu intervient alors en disant qu'il s'agit de comptes comptables qui ont été validés et que l'on peut, en maintenant l'équilibre de ces comptes, envisager des améliorations ou des amendements à ces comptes. Madame le maire lui répond que non. Les précédents conseillers municipaux ont travaillé en toute légitimité. Roselyne Allard intervient alors en disant qu'ils étaient tellement légitimes qu'ils ont tous démissionné. Et Madame le maire de lui répondre « Ah oui, alors ça ». Et Karine Pratt d'ajouter « Vous n'êtes pas en cause peut-être, vous n'êtes pas neutre dans l'histoire ». Et la réponse finale de Madame le maire « Vous n'êtes pas maître dans l'histoire ». En ce qui concerne cet arrêté préfectoral, André Bordenave maintient son désaccord. Il a parfaitement le droit de le faire et étudiera le dossier afin d'en référer à Monsieur le Préfet. Deuxième point, remboursement de la caution de l'appartement de l'école. Le second point de l'ordre du jour concerne la caution de l'appartement au-dessus de l'école et loué par la mairie. Ce deuxième point demande une délibération. Les locataires de l'appartement ont quitté le logement. La caution doit être restituée. Dans quelle mesure? La commission des travaux s'est réunie, a visité ce logement et donne un avis favorable à une restitution de 100% de cette caution. Cette délibération est votée à l'unanimité. Patrick Galli déplore toutefois que, faisant partie de cette commission, il n'ait pas été convoqué. Il n'a pas reçu de convocation. Madame le maire s'en étonne et va se renseigner pour connaître l'origine de ce dysfonctionnement. Madame le maire demande alors à Sylvain Raclot, qu'elle n'a pas encore entendu, de faire un compte-rendu succinct des travaux à éventuellement envisager dans cet appartement. Quelques travaux seraient à envisager, notamment un rafraîchissement des peintures, voire les joints de la salle de bain, l'évacuation d'eau dans la cuisine, et prendre en compte le problème des disjoncteurs électriques. André Bordenave fait remarquer que les peintures de l'appartement ne sont pas toutes les mêmes. Pour que cela soit propre quand même, lui répond Madame Lou. Quand on commence à peindre une pièce, il faut tout faire sur les retouches, ça se voit. Troisième point, prix du ticket de cantine année scolaire 2012-2013. Madame le maire rappelle que les prix actuels des repas servis à la cantine scolaire municipale, 2,90 € pour les enfants. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'augmentation du prix de repas pour l'année scolaire 2012-2013, soit repas enfant 3 €. Le troisième point concerne le ticket de cantine et il s'agit là d'une délibération que l'on peut prendre maintenant. Le prix de ce ticket est de 4,10 €. Il avait été proposé que le montant de 3 € soit à la charge des parents et que la mairie prenne à sa charge 1,10 €. Cette proposition est mise au vote et la délibération est adoptée à la majorité. Quatrième point, l'adhésion des communes de Lescousse et Saint-Jean-du-Falga à la communauté de communes du pays de Pamiers. En application de l'article 60.2 de la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, modifiée par la loi 2012-281 du 29 février 2012, le conseil municipal donne un avis favorable à l'adhésion des communes de Lescousse et Saint-Jean-du-Falga à la communauté de communes du pays de Pamiers. Même si la commune de Saint-Martin-d'Oyde n'est pas concernée par cette adhésion, la loi demande notre vote, même si ce vote n'aura aucune incidence sur l'adhésion des dites communes. Cette délibération est adoptée à la majorité. Les questions diverses. Madame le maire aborde ensuite les questions diverses. Compte rendu de la commission de travaux du 27 août 2012. La commission des travaux a fait le tour des travaux éventuellement à réaliser. La cour des écoles doit être refaite, mais on rencontre des problèmes avec l'arbre que les institutrices ont planté en son temps, l'arbre de la liberté. Faut-il entourer cet arbre de terre afin que ses racines ne détruisent pas la cour? Tant qu'il y a l'arbre dans la cour, on ne peut envisager de travaux durables, selon les dires de Sylvain Raclot. Cependant, l'entretien de la cour de l'école devient une nécessité. De plus, de nouveau, les toilettes de cette école sont un problème. Elles ont été saccagées, bien que la cour de l'école soit fermée à clé. Les vandales ont escaladé le mur. Les toilettes seront réparées avant la rentrée et ces toilettes ne peuvent donc pas être éventuellement utilisées par le public. Madame le maire demande que les parents se préoccupent un peu plus de leurs enfants. Ensuite, Cyril Marty repose le problème de la traversée du village. Des bandes rugueuses sont à l'étude. Les chicanes qui avaient été placées sur la route de l'ESAT ont été déplacées et donc ne sont pas performantes. Des panneaux stop sont à l'étude également, ainsi que l'implantation de feux rouges, de plateaux ou de dodanes.
Des devis sont à demander pour tous ces aménagements afin de sécuriser le village. Ensuite, la commission a revu le local destiné aux chasseurs. Et il ressort de cette visite que ce local se situe trop près des habitations. Ensuite, cette commission s'est déplacée dans l'église pour évaluer l'état des peintures et des fuites. Il y a un vrai problème d'humidité. Il faudra remettre en état l'escalier qui monte au clocher. Concernant différents autres chantiers, notamment le jardin jouxtant celui de la mairie, ce jardin appartient à des Belges que la mairie se charge de contacter. De plus, une rambarde le long de l'escalier descendant de la mairie vers le chemin de ronde est une nécessité pour la sécurité. Et à propos de la zinguerie de la mairie, il manque effectivement une descente de gouttière. Anniversaire de M. Robert Guichou. Madame le maire évoque ensuite l'anniversaire de M. Robert Guichou qui aura 100 ans le 27 octobre 2012 et propose, si la famille est d'accord, de lui souhaiter son anniversaire au travers de fleurs ou médailles ou autres suggestions bienvenues. Les conseillers municipaux sont d'accord pour l'envisager, toutefois si la famille ne manifeste aucun désaccord. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. Avez-vous des commentaires sur ce compte rendu? Je trouvais que le mois d'août était un peu loin. Mais... Vous n'en avez pas? Moi j'en ai encore. Alors, avant de commencer la séance, Roselyne Lallard, mais avant qu'elle pose cette question, il y a eu quand même, on a parlé d'autre chose. Donc, en ouvrant la séance, Madame le maire rappelle que les séances sont enregistrées. M. Bordenave a indiqué qu'il allait faire de même et a sorti son téléphone portable qu'il a posé sur la table. Madame le maire a ensuite indiqué qu'elle avait envoyé un email à M. Gali pour lui demander son enregistrement et a un souci avec celui de la mairie, problème de son, et qu'il n'avait pas répondu. Madame le maire lui demande s'il avait eu son courrier envoyé par email. M. Gali lui indique qu'il ne l'avait peut-être pas lu complètement et quand la mairie avait l'enregistrement, Mme de Smet lui demande qu'il aurait pu lui répondre, vu qu'il était très à cheval sur l'éducation et la politesse, il aurait dû lui répondre. M. Gali a acquiescé. Mme Leleu pose une question pratique à Mme le maire pour savoir concrètement comment fait-on pour visualiser les conseils. Madame de Smet lui a indiqué qu'à partir de ce jour, et grâce à l'aide de Mme Pratt, qui avait passé 3 jours et plus pour les mettre sur Facebook, aujourd'hui c'est fait, ceux qui ont Facebook peuvent le voir et ceux qui ne l'ont pas peuvent le visionner sur YouTube. Madame Pratt précise qu'il faut taper YouTube Conseil Municipal Saint-Martin-d'Aulne. Madame le maire demande qui va être secrétaire de séance et Madame Leleu s'est une nouvelle fois proposée. Si vous vous en souvenez, on avait dit ça et après il y a Madame Allard qui demande pourquoi on ne fait plus de réunions de conseil dans la salle des fêtes. Donc ça, on reprend le paragraphe. Après, à la phrase, donc il suffira d'ajouter des chaises, c'est ce que j'ai dit, et que ce n'était pas une histoire de grandeur. Ensuite, j'ai repris ce que j'avais dit. Madame le maire a ajouté que c'était beaucoup plus sympathique de faire les réunions ici dans cette belle pièce qu'en haut à la salle des fêtes, qui est condamnée à cause des pigeons. Le plafond s'effondre et elle trouve que ce n'est pas très agréable. Maintenant qu'il y a une mairie, on peut faire enfin une réunion dans un lieu décent. On ira chercher des chaises à la salle des fêtes parce que c'est très bien que la population vienne. C'était parfait. Après, bon, le maire propose de rouler le compte rendu de l'année 4 avril. Donc là, on y revient. Ensuite, ce que j'ai rajouté, c'est dans le paragraphe le budget commune informé par M. le préfet. Après la phrase « Le lendemain matin signé par tous les conseillers présents », j'ai rajouté « Madame le maire indique que le document a été mis dans le bulletin, tout le monde l'a consulté, ce qui est une mesure de publicité. » Ensuite, la phrase « Elle fait remarquer sur la Chambre des comptes entériné le budget à 99% par rapport au budget présenté en avril et que le préfet l'a entériné. » J'ai rajouté que le préfet l'a entériné. Elle a simplement... Vous avez mis plus loin ? C'est que le... Oui, d'accord. Non. Vous arrivez à me retrouver ? Non. C'est bon ? Oui. Après, j'ai rajouté la phrase « Elle a simplement bougé », donc c'est la chambre, hein, je crois. « Elle a simplement bougé la somme de 830 euros, le budget s'applique, nous pouvons délibérer sur les questions budgétaires, la commune a retrouvé sa compétence budgétaire. » Après, on retrouve la phrase « C'est donc un budget qui est sage et rigoureux, notamment après le cimetière. » Ensuite...
après la phrase en débordant la réponse, qu'elle fasse son travail et que lui en référera à monsieur le préfet. Il a été dit, alors madame Allard demande comment le préfet l'a entériné, sous forme de correspondance. Madame de Smet m'indique que c'est sous forme d'arrêté qui a été affiché le 26 juillet au tableau d'affichage. Monsieur Bordenave revient sur le budget de cette année qui est devenu exécutoire. Madame le maire indique que les travaux ont été votés par l'ancien conseil municipal, subventionnés et budgétisés. Monsieur Bordenave indique que s'il y a 9 conseillers qui sont d'accord, il n'y aura aucun problème. Ça sera comme ça. S'il y a une majorité qui est contre ce projet, 3 petits points, on en reparlera. Madame de Smet indique que question majorité, ce sera facile. Il y a des marionnettes, donc je doute qu'ils soient contre vous. Monsieur Bordenave indique qu'elle insulte le conseil. Madame le maire répond tout simplement qu'elle le constate. De toute façon, le budget est entériné et que je suis chargée de l'appliquer et donc il sera appliqué. Madame Allard s'étonne que la chambre régionale ou le préfet ne s'est pas adressée à la majorité pour avoir des renseignements concernant le parking du cimetière. Madame Pratt indique qu'ils ont demandé si ces travaux étaient prévus avant mars 2012 et nous avons donné les renseignements. Madame de Smet rappelle que ce dossier a été réglé avec l'ancien conseil municipal et qu'on n'allait pas y revenir dessus. Monsieur Bordenave indique va y revenir dessus. Madame Pratt indique que ce dossier a eu des subventions. Madame Allard rappelle que pour le Santana aussi, Madame Pratt lui signale que ces subventions étaient remboursées. Donc Madame Allard lui dit, eh bien voilà. Après, on revient sur le paragraphe, Geneviève Leleu intervient. Voilà. Après, par contre, il me semble que je n'ai pas dit maître dans l'histoire, mais neutre. J'ai relu le truc, j'ai pas dit maître. J'ai dit neutre. La réponse finale de Madame Le Maire, vous n'êtes pas neutre dans l'histoire, vous avez marqué maître. Pas seulement d'avoir dit maître, mais neutre. C'était Madame Pratt qui avait dit « Vous n'êtes pas en cause peut-être, vous n'êtes mais pas neutre dans l'histoire. » Et vous me semblez bien, il faudrait que je reprenne l'enregistrement, mais il me semble bien. Je ne suis pas captive en ce point. J'essaye de faire un compte-rendu succinct, enfin concis, pas succinct, concis, avec des choses qui me paraissent extrêmement importantes. Le reste, pour moi, c'est un peu des enfantillages. Non, c'est pas les enfantillages. Ça relève de... Comme ça, dans quelques mois, pour... Ça relève c'est très bien de qu'il marque comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair et net. On ne peut pas faire plus clair. Et pour les questions diverses, j'ai rajouté 2 petites phrases. Madame Mélène répond, mais conseiller qu'elle a reçu le programme de la formation des élus, qu'elle est accessible en mairie. Il reste indisponible sur le bureau de la secrétaire. J'ai oublié ça. Et Madame le maire informe M. Raclo que les propriétaires de la parcelle du fond de jardin de la mairie sont en Belgique. M. Raclo demande si on peut leur envoyer un courrier en demandant si on peut nettoyer et le faire en accord avec la mairie. Voilà. Ce que j'avais mis, concernant différents autres chantiers, notamment le jardin juste en dessous de la mairie, ce jardin appartient à des Belges que la mairie se charge de contacter. Oui, mais ça, c'était, on l'avait dit, en question diverse aussi. Et bien, c'est dans les questions diverses. Un peu plus haut. Oui. Donc, c'est dans le paragraphe compte-rendu de la commission de travaux. Le dernier paragraphe. Ah oui, le jardin, je sens sur la mairie, ce jardin appartient à la mairie. Que la mairie. Là, c'était par rapport qu'on avait envoyé un courrier. C'était qu'on avait décidé d'envoyer un courrier. Bon, le courrier est envoyé. Et le courrier a mis la réponse, donc c'est positif, on peut le faire. Donc, soit je vous mets en contact avec Alain, soit je vous mets en contact avec Alain. Ah, j'essaie de le croiser, mais pourquoi pas, on en parlera. Mmh. Les remarques sur, si vous souvenez bien, c'est ça. Moi, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire concernant le compte-rendu. Oui, moi, je préfère tout. Ça, c'est clair. Donc, on peut l'entourer. Oui, d'accord. Donc, c'était pour le mettre au propre pour que vous le signiez tout à l'heure après, avant de partir. Donc, après, il y a eu un conseil quand même le 8 octobre. J'étais absente, j'ai pas pu. Mais vous n'avez pas pu, mais bon. Par contre, je n'ai pas eu votre procuration. Oui, s'il vous plaît. On n'a pas eu le temps de me la donner. Je
vais la récupérer. Et oui, il m'a mis dans le registre. Alors, l'an 2012, le 8 octobre à 21h, le conseil municipal régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme de Smet Bérangère, maire. Dans les présents, Mme de Smet Bérangère, La Roseline, M. Bordelavandré, Fried Olivier, Belly Patrick, Raclo Sylvain, Lille Christian. Absent, Mme Leleu Geneviève, Prat Karine, Marty Cyril. Pouvoir, Mme Leleu Geneviève a donné pouvoir à Mme Alain Roseline et M. Marty Cyril a donné pouvoir à Mme de Smet Bérangère. À l'ouverture de la séance, M. André Bourdin demande à Mme le maire de bien vouloir changer de place car lors des enregistrements, on ne la voit pas. Mme le maire explique les raisons techniques et physiques pour lesquelles elle se met en bout de table et pas en face de la caméra. Elle a bien précisé que ce n'est pas parce qu'elle ne le veut pas. Concernant les raisons techniques, elle a fait remarquer que la table avait changé de sens car il y avait un problème de son. Beaucoup de monde n'arrivait pas à entendre les conseils sur YouTube. Pour régler ce problème de son, elle a demandé à l'informaticien d'installer d'autres micros, mais ça ne marchait pas. Le son était toujours inaudible, donc on a dû garder que le micro de la webcam. Donc la table a été mise dans ce sens, et comme Mme le maire est l'une des seules à beaucoup parler, au moins maintenant, on l'entend. Mme Allard rétorque justement qu'on n'entend pas, Mme de Smet réaffirme qu'on entend très bien, et qu'il fallait après régler le son sur l'ordinateur. Mme Allard indique que ça doit venir de là, Mme de Smet l'invite chez elle pour lui montrer qu'on entend maintenant super bien. D'ailleurs, grâce à ça, Mme le maire a pu regarder le compte rendu de Mme Leleu. C'est aussi un support de travail. Concernant les raisons physiques, Mme le maire explique qu'elle reste en bout de table. Ça lui permet de regarder tout le monde en face pendant qu'elle parle et de ne pas tourner la tête de droite à gauche pour éviter en fin de réunion un torticolo. M. Bourdonnave réitère sa demande en lui indiquant qu'il veut que Mme le maire soit filmée comme tout le monde. Mme le maire lui rétorque que je veux. Madame le maire lui explique que c'est une question de commodité. M. Bourdonnave lui demande « Tu ne veux pas ?» Madame le maire lui répond qu'elle n'avait pas dit ça et qu'elle avait expliqué techniquement et physiquement pourquoi elle se mettait en bout de table. Madame le maire donne un courrier à M. Raslo. M. Bourdonnave réitère sa demande. Madame le maire lui répond « Non pour ce soir, mais qu'on essaiera de bouger les tables pour le futur. » M. Bourdonnave se lève en disant qu'il ne participe pas à la réunion. Tout le monde se lève, tout le monde s'est levé pour partir, sauf M. Raslo. Elle leur indique qu'ils n'avaient aucun respect pour les habitants qui étaient venus assister au conseil, qui se sont déplacés ce soir pour assister au conseil municipal. Madame le maire indique qu'elle respecte tout le monde et que ce sont eux qui ne respectent pas les gens qui sont venus. Madame le maire leur demande de ne pas lui faire porter le chapeau de leur bêtise. Madame le maire a remercié M. Raclo qui est resté assis. M. Raclo demande si on fait conseil ou pas. Madame le maire lui indique que le conseil est suspendu. M. Raclo indique que ce n'est pas constructif. Madame le maire lui demande d'en parler à ses coéquipiers car elle indique que ça commence à voler un peu bas. Madame le maire s'excuse auprès des personnes présentes dans la salle. Voilà. Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Oui, quand on parle de c'est pour régler ce problème de son, elle a demandé à l'informaticien d'installer d'autres micros, mais ça ne marchait pas. Le son était toujours inaudible. Donc, on a dû garder. Donc, c'est... On ne fait que, donc il y a un N de négation qui manque. Et donc la table a été mise dans ce sens. Et comme Madame le maire est une des seules à beaucoup parler, au moins maintenant on l'entend et pas on l'attend. Ah, c'est bon ? Donc ça aussi on signera tout à l'heure. Alors, on va commencer l'ordre du jour pour les travaux d'investissement 2013. On en avait déjà un petit peu discuté, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en 2013? Pour l'investissement, déjà il y a une commission normalement pour les travaux. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une commission que ce soit pas réunie. Oui, on s'est réunis. On a déjà vu ce que. En gros,
ce qui nous intéressait à faire et tout ça. Donc, on ne va pas se réunir pour vous dire la même chose. Ok, d'accord. Donc, on s'est réunis déjà. D'accord. Donc, vous n'y avez pas été, je comprends, mais il y a eu un couac. Dans les travaux 2013, en concertation avec les conseillers municipaux, nous souhaitons faire la traversée des villages. Je ne sais pas retourner des demandes qui avaient été faites lors de notre réunion de commission des travaux. Et après, on va vous parler, si je vous laisse. Ensuite, la cour de l'école, qui en a vraiment besoin. On envisage de changer les fenêtres de l'école pour le bruit et le climat, la chaleur et le froid. De changer les fenêtres. Les fenêtres de l'école. Les classes. Les classes, les 5 fenêtres de l'école. De l'école de France. La création d'un columbarium, le cimetière. Et là, il faudra en discuter tout à l'heure pour savoir si la communauté de communes fait quelque chose. C'est qu'à l'époque, en 2007, on participait à la création. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'écho sur ce point-là. À ce propos, j'ai eu des contacts avec différents marbriers et entrepreneurs et j'ai des ordres de prix. Et j'ai aussi des règlements à mettre en place, des cahiers des charges à respecter. Oui, et... c'est très réglementé. Tout à fait. Et surtout que la législation a changé depuis 2009, et surtout que nous allons être obligés, à partir du 1er janvier 2015, à avoir un columbarium et même un espace cinéraire dans le cimetière. Donc j'ai pris des contacts pour apporter différents... l'ordre de grandeur pour l'instant des travaux qui seraient envisagés pour un columbarium de 9 cases qui correspondraient à la capacité du village, compte tenu de ce qui s'est passé, de ce qui se passe au Fossat, de ce qui se passe à Lesap, de ce qui se passe à Capens. J'ai pris la même chose que Capens et construire un columbarium d'environ 9 cases avec un petit jardin cinéraire autour. Ce serait de l'ordre de 4 500 à 7 000 euros, en fonction de l'entrepreneur et de qui viendrait le faire. Ce qui m'a été donné au niveau du columbarium, c'est à faire en granit du Tarn pour tout ce qui est de l'ossature, je vais dire, et les portes des cases de columbarium seraient en granit rose de Bretagne, en sachant que les portes sont... avec des charnières et qu'ensuite elles sont scellées au silicone. Voilà. Je vous donnerai beaucoup plus d'informations si c'est retenu au niveau des travaux, parce que j'aurai des devis plus importants, plus conséquents et plus charpentés. Vous savez qu'à la commune aussi, il faut qu'elle ait un carreau. Oui, alors ça peut se faire dans le même ordre d'idée, si on peut... de demander. D'autant qu'un caveau municipal, ce n'est qu'un caveau une place. Mais de toute façon, oui, je crois que si la législation n'a pas changé à ce niveau-là, un corps dans le caveau municipal ne doit pas rester plus de 1 an. C'est maintenant qu'on est en place. Notre famille ne se retrouve. Mais bon, il faut qu'on en ait un, parce que là aussi, c'est... Voilà. Mais de toute façon, c'est quelque chose auquel on n'avait pas... On avait pensé, pardon, et les entrepreneurs auprès de qui je me suis adressée, je leur en parle également d'ajouter ce caveau municipal. Ensuite, il y avait les travaux dans la nouvelle poste. Il y a les travaux que l'on souhaite faire dans la nouvelle poste, ou l'ancienne, je ne sais plus comment il faut l'appeler. On en avait parlé, on était tous d'accord. Est-ce que ça fera l'objet d'investissement ou de fonctionnement? Je ne sais rien, je ne sais pas ce qu'on va faire. Les musées poubelles qui ont été abandonnés depuis de nombreuses années, donc là aussi peut-être ça c'est pas le bon investissement, je ne sais pas, la reprise de ces musées. Et éventuellement un musée pour les sacs jaunes ou une solution pour les sacs jaunes. Dans mon but, c'est peut-être pas de l'investissement. Voilà, les projets qu'on avait
suivant les finances qu'on avait l'intention de, suivant les finances de la commune, qu'on avait l'intention de proposer. De toute façon, je préfère un choix parce que il faudra faire du le plus voilà, urgent ou le moins urgent. Parce que bon, c'est en fonction des finances. Quoi. Non, je vais mettre de l'école, chaque fois qu'il pleut, c'est moins des moments. Moi, je vais mettre de l'école, vous y avez pensé, mais vous n'avez pas apporté un devis là pour qu'on puisse. Vous avez un devis là? Oui. Très bien. En attendant de savoir si les finances le permettent, ça va aller loin. Il faudrait peut-être quand même se lancer pour demander les subventions. Il nous faut des devis pour demander les subventions. Mmh. Les subventions, là, il faut travailler sérieusement. Comment? Je dis, quitte à ne pas le réaliser plus tard, si on ne peut pas tout faire, il faut quand même demander les subventions, c'est tout. Mmh. Mais au niveau de la traversée du village, vous n'avez pas demandé les subventions? Non, parce que le dossier est en cours, alors nous avons simplement, c'est un dossier bon, qui est en cours, donc on n'a pas demandé de subvention, mais à l'étude de ce dossier avec le département, on a vu toutes les possibilités qu'on peut faire, mais c'est assez restreint parce que les bandes rugueuses hors agglomération, c'est pas possible, c'est interdit. Dans l'agglomération, il ne faut pas qu'il y ait des maisons en proximité, il faut que ce soit plus de 100 mètres, donc là ce n'est pas le cas. Mais qu'on est dans l'agglomération, ben, il y a la maison de M. Frien. Donc c'est pas possible les bandes rugueuses. J'ai demandé, là, puisque vous en aviez parlé, un devis pour un feu rouge. Pour un feu rouge, il en faut deux, il en faut un de chaque côté. J'ai demandé un devis. Une entreprise qui installe à droite à gauche des feux rouges dans les communes voisines, pas plus loin de chez nous. Alors, pour la pose de feu tricolore avec la pose, mais c'est pas le choix. Hein. Alors, hors taxe, hein, parce que je parle toujours en hors taxe, 21 105, j'arrive à 30 euros. Pour deux feux. Sachant qu'il faut prévoir après le coffre, il faut prévoir l'électricité, il faut prévoir beaucoup de choses. Donc ça, c'est juste l'installation des feux. Voilà. Je pense qu'il faut voir que les dosins, ça va être combien? Comment? Alors que les dosins, ça va être alors, ça, c'est les plateaux. Alors par contre... nous, on était partis. Alors là, ce qui est, par contre, pour répondre à M. Gali, en accord avec le département, un plateau, donc, avant d'arriver à l'école. Vous aviez montré. Voilà, parce que finalement, on y retombe toujours dessus. Un plateau avant d'arriver à l'école, un dodan juste avant la salle des fêtes. Donc là, un stop, changer un peu la circulation. Mais bon, ça, c'est pas méchant. Et un plateau entre le portail de M. Maquier et le garage, le bâtiment qui appartient à la commune. Ça, ce projet, parce que bon, ça a été entériné par le comité technique du département qui accepte, parce qu'on ne peut rien faire sans leur accord, qui accepte qu'il y ait ça sur la départementale. Et avec cet accord du comité technique, ça nous permet après de demander des subventions pour les amendes de police. Parce que tant que le comité technique n'est pas d'accord, on ne peut pas demander de subventions. Alors, concernant... Et ça, vous avez le montant d'un devis de ça? Alors, attendez, j'arrive. Attendez pendant un jour. Hein. D'ailleurs, enfin, j'ai la lettre de l'accord du comité technique, là. Si vous voulez le voir, c'est... Alors... J'ai deux devis. Alors, j'ai un devis de la Cola et un devis de la Trait. Donc, la Cola, hors taxe, pour faire ce que je vous ai dit là, c'est 13 526 euros hors taxe. Donc là, il y a tous les coins du village qui est à l'école, il y a la route de l'Ésate, au milieu, enfin, tout est pris. Celui de la Trait, hors taxe,
19 080 euros. C'est la même chose. Ah oui, oui. Rigoureusement. Oui, exactement pareil, création de plateau, des gens. Voilà. Alors, je vous laisse parler parce que je ne vais pas quand même monopoliser la parole. Mais, moi, je pense que l'inconvénient des feux tricolores, du matériel comme ça, c'est qu'à un moment donné, ça tombe en panne. C'est déjà tombé en panne à l'ESAT, c'est déjà tombé en panne au plan tourelle. Donc, il faut réparer, patati, patata. Bon, donc, déjà, ça tombe en panne. Ensuite, on n'est pas là du vandalisme, hein, puisqu'on vandalise les WC de l'école, pourquoi pas un feu rouge. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses et le coût quand même est assez important. Tandis qu'à moindre coût, on a quand même l'aménagement du village en entier. Ce n'est pas juste devant l'école. Voilà. Il me semble que c'est plus intéressant. À la base, on a parlé de feu rouge en complément en plus. En complément de ça, les feux rouges. Ce ne sera que les feux rouges. Ah oui, oui, en plus, oui, oui, non, mais... Parce que les feux rouges en eux-mêmes, ça va être dissuasif à un certain temps. Mais... Les feux rouges, franchement, les gens s'en fichent totalement. Ils passent, qu'ils soient rouges ou verts. Moi, encore, j'étais à l'ESAC ce soir, la personne devant moi est passée au rouge. Bon, les dodanes, au moins 100% des personnes est obligée de passer par là. Donc, les feux rouges, s'ils ne voient personne, ils foncent. Ça ne va pas les déranger, hein, à la nuit comme le jour. Et on ne peut pas mettre un gendarme tous les jours, regarder si les gens brûlent ou pas le feu rouge. Mais financièrement, je trouve que c'est pas raisonnable. Et en admettant qu'on parte sur ce que tu viens de dire, là, avec les plateaux, les dodanes et tout ça, il faudrait peut-être voir en intégrant la cour de l'école, vu que les travaux sont faits en même temps, si ça ne coûterait pas moins cher que de refaire venir quelqu'un pour faire la cour de l'école. Là. C'est pas le même revêtement. Je sais pas, mais bon, si tu choisis la cola, oui, mais peut-être que tu n'as pas le déplacement. Oui, mais tout dépend si tu es obligé de choisir la même entreprise. Alors, peut-être que tu n'as pas envie de choisir la même entreprise. Ah, oui. Enfin, je sais pas. Et ne vous en prie, je préfère faire un avis par la cola. Mais là on n'est pas à la cour. Là, on est à l'aménagement. Tu fais quand même un plateau devant l'école, donc tu peux en même temps intégrer la cour de l'école. S'ils sont déjà là, peut-être que tu ne payes pas le déplacement ou autre chose. On reviendra à la cour de l'école parce que j'ai quand même les devis pour la cour de l'école. Mais bon, si je sors tout, après je vais tout mélanger, ça va être... Donc là, on est sur la traverse du village. Donc autant finir la traverse du village. Et après, on passe à la cour d'école. Il y a plein de choses à la cour d'école aussi. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les photos entre Colas et l'après. Ah oui, alors après, déjà. Ouais. Si on peut essayer de limiter un petit peu les dégâts, travaux identiques, revêtements identiques, il faut voir au niveau des densités de goudron. En fait, je vais demander exactement après la même chose. Après, bon. Il y a quand même 6 000 euros. 6 000 euros, on peut peut-être les utiliser à autre chose. Vous pouvez. Merci. Donc, c'est le dernier, je me suis trompée. C'est le même. Parce que bon, si vous êtes d'accord qu'on ne change pas de dossier, il y a déjà un souhait, le comité technique, on a entériné. On a eu l'occasion d'en parler, on pensait justement à faire trois plateaux ou deux plateaux en dedans, c'est le problème n'est pas là. Et de voir à l'utilisation, et plus tard, il est utile de l'utilisation, de voir ce que ça va donner. Oui, parce qu'on est toujours en temps d'apporter un feu si on se rend compte qu'il y a une nécessité ou autre chose. C'est pas cela. Donc, pour avancer, est-ce que vous êtes d'accord qu'on la dépose en amende de police? Oui. Oui. Et il faut que vous me disiez le devis que vous mettez. Le devis, par contre, on va voir.
Non, c'était pour casser la circulation, en fait. Parce que bon, là, il y a quand même un plateau. Mais bon, sur la route de l'Esat, il y a un plateau, mais après, il y a encore une grande route. Enfin, quelques mètres qui arrivent là. Alors, si on les fait stopper, net, ça leur fait un arrêt de plus, au lieu de partir de suite. Donc, ceux qui viennent de Pamiers sont prioritaires, en fait. Oui, c'est de changer le sens. De stop à la sauver, ça va changer le sens. Les plateaux font combien de long, vous avez dit? C'est une dimension standard. Ah, c'est illégal. Ça, c'est tout est illégal. Non, non, mais c'est pas une question de légalité, c'est de savoir s'il y a des plateaux qui se font plus grands ou des plateaux. Non, non, c'est la dimension standard. Oui, oui, mais c'est la dimension qui est réglementée par le département en plus. Parce que dans d'autres départements, ce n'est pas les mêmes dimensions. Chaque département fait. Question de vie, vous prendrez lequel? Celui de la colasse. Celui de la colasse. Il y a d'autres questions ou on peut passer au vote? Voilà. Qui est d'accord pour déposer un amendement de commis sur les devis de la colasse? D'accord. Alors, ça, c'est qu'un devis, tu vois, soit au devis à un moment de la réalisation des travaux pour faire des devis pour voir si on ne peut pas gagner des choses. Ben, parce que ça, n'engage pas de faire les travaux avec la colasse africaine. Non, mais bon, vous avez trouvé. Enfin, ils sont quand même bien classés. Oui, non, mais je ne sais pas, je veux dire, ça ne s'interdit pas de reconduire au moins les travaux après. Ça n'engage rien du tout. Non, tant qu'on ne signe pas le devis, ça n'engage pas. Après, ce dossier, il faudra aussi demander du FRI et de la DTR, du FDAL. On est bien d'accord. Pour avoir un maximum de subventions, pas s'arrêter que sur les amendes de police. Qui vote ça? Non, c'est pas moi qui vote, parce qu'il faut que mais ça se vote. On n'est pas contre. Comment? Et on pense bien qu'on va pas être dans ce cas-là, on vote tous pour toutes les. Donc on vote pour toutes les subventions, le FRI, le FDAL et tout le reste. Alors. Comme ça, c'est écrit. On vote pour une, on vote pour l'autre. D'école, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. C'est l'arbre, premièrement, et deuxièmement, le toboggan. Alors, l'arbre, de toute façon, je pense que moi, j'ai fait enfin, tous ceux qui sont venus. Oui, tous ceux qui sont venus, ils ont vivement conseillé de le supprimer. Mais si on veut le supprimer, il faut quand même avoir un consensus avec les institutrices, avec leur personnel également. Je vais parler à Madame Dupont, elle a dit OK.
À ce moment-là, il faut peut-être essayer de compenser en leur offrant un endroit ou autre pour remettre un arbre. C'était quand même l'arbre de la liberté. Oui, on peut mettre un... Oui, mais que ce soit l'école qui... Oui, non, puisse... on ne peut pas remettre un arbre. Mais je ne dis pas de le remettre dans l'école, je ne dis pas ça. Mais on peut le mettre, on peut le mettre aux alentours de l'école, quelque part pas loin de l'école. Il y en a déjà un à côté du terrain de tennis, c'est vraiment l'arbre de la liberté qui a été planté à cette occasion. Mais qui n'était pas celui de l'école, c'était celui de la mairie. L'école avait son arbre qui était planté, c'était le tilleul qui était planté dans la cour. Est-ce qu'on peut leur proposer de mettre un arbre pour elle? Oui, on peut proposer de mettre un arbre ailleurs. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais si on veut arranger ce cours d'école, il faut pas qu'il... Par contre, on peut faire une plante-bande au niveau entre le... Dans la même lignée que l'arbre, mais avec des petits arbustes, des fleurs, pas des arbres qui prennent des racines et qui soulèvent tout le coton. Disons qu'on peut faire une plante d'arbre libre à la maîtresse, voilà. Parce que tu sais qu'elle plante beaucoup de fleurs, elle aime ça. Et ses enfants qui plantent. Ça, c'est possible. Et après, il y a l'histoire du toboggan. Si on le laisse. Quel est le problème du toboggan? C'est qu'il n'est plus aux normes. Aujourd'hui, il n'est absolument plus aux normes. Et s'il n'est plus aux normes, il faut l'enlever. Il n'y a pas photo. Si vous avez un accident... Si il y a un accident, je suis responsable. Bon, donc il n'y a pas à tergiverser. Et oui, ce sont des grands qui sont maintenant. Oui, ce sont des grands, mais même s'il arrive un accident... Oui, mais disons, le toboggan s'impose moins que quand ce sont des petits. Mais il joue beaucoup, hein. Il joue énormément sur ce toboggan. C'est impossible. Soit on leur remet une autre structure, mais aux normes. Vous avez chiffré cette autre... On en parle ce soir, donc j'ai pas chiffré, j'ai pas... Non, mais vous n'avez pas pu regarder un peu quand même quand on avait fait... Les jeux pour cet enjeu-là. Je sais pas ce que vous en pensez. La question ne se pose pas. Après, il faut chiffrer, voir ce que l'on met comme aire de jeu. Si ce sont toujours des grands qui vont rester sur Saint-Martin, s'il va y avoir une rotation au niveau du RPI, comment ça va se passer? Pas dans les années qui viennent. Pas dans les deux ans qui viennent. Ça sera toujours les grands. On fait les hôtels. Les hôtes places. Bon, et c'est enlevé le maître. S'il n'est pas aux normes, tu peux le mettre quelque part. Comment ? S'il n'est pas aux normes, tu ne peux pas le replacer. Pas mais oui, il n'est pas aux normes. Et alors, le démonter, par exemple ? Ah, mais oui, tu ne peux pas le remettre s'il n'est pas aux normes. Tu ne vas pas le mettre. Non. Alors, par contre, pour les devis, la cour d'école. Alors là, tout dépend justement si, on a décidé d'enlever le toboggan. Donc, il faudra les redemander parce que tout dépend si on goudronne tout, donc là où il y avait le toboggan. Voilà, parce qu'il y a un devis qui ne compte pas le toboggan. Donc, il va falloir les redemander. À ce moment-là, avant de redemander un devis, il faudrait peut-être voir, avoir un devis pour remettre une aire de jeu dans la place du toboggan, la chiffrer, faire un devis pour la cour d'école que vous avez et voir ce que ça va générer comme dépense. D'accord. On a un devis pour un jeu. Je pense qu'il faut avoir la maîtresse, c'est celui qui serait le plus à la tête. De toute façon, ce sont des choses qu'il faut faire en relation avec l'instit. On ne peut pas imposer quelque chose comme ça. Il y a une question d'échange. Donc ça, on le verra. Donc ça, on le verra.
pense que je vais le donner pour l'arbre. Alors, l'arbre de l'école, c'est 250 euros. Tout enlevé. Je peux te dire. 250 euros. Tout enlevé. Suppression, évacuation, rognage de la souche. Les racines. Les racines, c'est ça. Tout parti. Okay. Parce qu'ils ont les machines exprès, là. Voilà, c'est 250 euros. C'est 250 ou 150 ? 250. C'est 150 euros la suppression de l'arbre. D'accord. Et l'enlèvement de la, des souches, des racines, tout ça, c'est 100 euros. Qui c'est l'entreprise qui fait ça? C'est l'entreprise qui est basée à Escosse. Pas très loin. De Viviez, Espace Vert. Escosse. Donc pour la cour d'école, donc on va demander et donc on en reparlera. Ben, le groupe de neige, non? Comment? Le groupe de neige? Les devis qu'on a pour le bout de ménage de l'école. Oui, mais ils ne sont pas bons. On va en parler parce qu'ils ne tiennent pas compte si on enlève la. C'est pour ça qu'il faut savoir si on n'a pas joué le temps. Ils sont à vous demander, la cour d'école. Sinon, pour vous donner un peu, c'était. Alors, la colas, c'est 9 220 euros. Mais il ne faut pas le comparer avec l'attrait, parce que c'est une histoire de... Parce que pour l'un, ça n'avait pas été demandé, 10 729 euros. Mais ça, il n'y a pas la surface exacte. Alors, ce n'est pas des bons levis. On le reverra. Hein. Parce que le mien non plus n'est pas valable, puisqu'on va arracher la racine, les racines, donc on va... Vous aviez quoi comme devis? Oui, mais je le fais simplement entre les couches... Donc, il faut que c'est l'ensemble de la cour. Moins le toboggan, puisqu'on ne touchait pas. Oui, voilà, donc tout est. Par l'hôtel. Il y a des dettes, hein, sur les demi. Oui. Pourquoi je ne peux pas s'arrêter à demi. Vous avez vu, entre ce plan et. Ouais, après, les faut voir le... Comment c'est sur les 4000. Oui, ça date. Non, mais c'est pas pareil, quoi. Là, c'est pas les tricouches. C'est plus. C'est à nous maintenant de décider ce qu'on veut avant de refaire la période. Des capables, des capables. Soit... Enrobés. Enfin, pour les bosses au niveau des racines, ils faisaient. C'était que mettre les, que la roue. Voilà, un reprofilage de l'ensemble. Si on touche aux racines, évidemment que c'est plus la même chose. Parce que là, ils décapent et tout. Oui, voilà, il faut, faut ce soir décider de ce qu'on veut faire. Et la prochaine fois, on verra avec le jeu, la maîtresse, et voir si. Il faut peut-être demander à la maîtresse si elle préfère pas une pergola plutôt qu'un jeu. Parce qu'il y avait quand même une histoire de l'ombre. Il y a les préaux. Oui. Les préaux, bon, c'est pas un petit truc. Parce que les enfants, ils s'amusent, vraiment, bien sûr. Oui, non, je sais pas. Non, mais si on leur supprime ça, je sais pas ce qu'ils peuvent faire. Il y a l'histoire de l'arbre à un moment, c'était si, enfin, la contrainte qu'il y avait, c'était abri de l'ombre l'été. Oui. Donc, oui. C'est pour ça, à la rigueur, le pergola, ça aurait pu essayer de trouver une solution, quitte à l'aménager en dessous, peut-être. Je vois. Ouais, je vois. Ah. Peut-être lui poser la question. Oui, le pergola, il ne faut pas qu'il sèche, quoi. Qu'il y en ait qui se retrouve. Sur toi. Bon, on reparlera de ça. Ah oui, et les fenêtres d'école alors? Changement des fenêtres d'école. Donc, je vais m'occuper de faire, faire un devis pour la cause de l'école et donc sur quelle base? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on fait un devis avec un enrobé ou est-ce qu'on fait un nouveau après avoir décaissé
façon, l'arbre, il faut l'enlever, quoi qu'on fasse. Si c'est décidé en âge. Mais c'est plus raisonnable de l'enlever, cet arbre. Parce que quand on fait quand même des travaux dans une cour gracieuse, c'est pas la peine que ça, qu'on y revienne 5 ans après, parce que les racines ont... D'abord, est-ce que tout le monde est d'accord pour enlever l'arbre? Mais si tu fais, c'est d'accord, je vous le dis de suite. Hein. Mais là, dans le conseil. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'enlever, cet arbre? Si tu veux le faire, pour le faire, mais... Et vous avez même dit que... Très chaud, mais si pour le faire. Vous avez même dit que si on le laissait cet arbre, ça va bouger les murettes. Oui, c'est déjà arrivé. Donc, voilà, c'est dur de le laisser pour le laisser, de faire les travaux et d'y revenir dans 5 ans. C'est délicat parce que c'est un symbole, quoi, c'est tout. Oui, mais bon, le symbole, on en a bien discuté. À un moment donné, il faut... À la limite, on pourrait faire un jardin avec les gros pots, là. Ils en fonctionnent dans les entreprises et tout ça, vous avez les gros pots en bois, mais nos grosses, où il y a un arbre qui va avec, quoi. Non, mais c'est pas le manque d'arbre dans la cour qui va... Oui, c'est simplement parce que c'était le symbole de la liberté, c'est tout. Sinon, je sais qu'il faut la liberté. Voilà, c'est bien mon opinion. Donc, si on l'enlève, il faut faire un devis en faisant, en décaissant, en arrachant pour tout ce qui existe, parce que vous avez vu arriver les racines. Ils arrivent à 10 mètres un peu du partout. Là. Ils ont des trucs exprès. Pour justement, oui, je veux dire, tout le béton, tout le ciment, tout ce qui existe, c'est à faire et différemment. Donc là, les devis, il faut les faire en conséquence, ça va être autre chose. Parce que là, c'était du tricouche, c'est ça? Vous avez demandé, non? Voilà, j'ai fait un devis comme... Il y avait quelques pages du revêtement évacuation, remplacement tampon béton par tampon fonte et zéro, mais un nouveau compteur, enrobé 0,10 de profilage, couche de roulement enrobé fin 0,6, elle est mise en œuvre en manuel et bactériel. Et sur l'autre, qu'est-ce qu'il a demandé? Alors oui, c'était mise en œuvre d'un enrobé à chaud, qui est G 0,10, sur 5 centimètres d'épaisseur. Voilà. Deux fois sa existence sans faire de jeu, alors vous avez aussi pour ça. Mise en œuvre d'un arbre bien chaud. Réalisation d'un arbre des couches sur la surface revêtue existante sans faire de jeu. C'est de toute manière, je pense que même s'il y a une autre aire de jeu, il va falloir penser, même si c'est goudronné, il faudra un dallage spécial. Les nouvelles règles, c'est un dallage spécial. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra quand même que ce soit goudronné. C'est des trucs extra. Mais que tu mets sur le goudron. Donc, dans tous les cas, il faudra tout goudronner. Même si on met une autre tapis dessus. Parce que ces dalles, elles vont dessus. Donc, dans tous les cas, je pense que déjà, à la base, le devis, il faudrait partir sur toute la surface. Voilà, sur toute la surface de l'école. Après, voir quel enrobage, voir quel. Pour être d'accord et avoir tous à peu près les mêmes tarifs, quoi. Ah, les mêmes bases. Oui, voilà, les mêmes tarifs. Oui, les tarifs. Bon, donc, pour le prochain conseil, qu'on arrive avec des devis. Donc, on partirait sur quoi comme. L'enrobé. Comme enrobé. Quelque chose qui tient le coup et qui ne revienne pas dans 5 ans ou dans 6 ans. Quoi. Qui tienne. Que ça soit fait une fois, même pour n'importe quoi. Comme sur un enrobé. Mais l'entreprise qui va faire l'enrobé ne touche pas les racines. Non, c'est quelqu'un d'autre, ça. C'est notre entreprise qui s'en charge. Vous êtes d'accord pour supprimer l'arbre? Vous êtes d'accord pour enlever cette arbre? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on prévoie une bande de, donc, vous voyez la largeur de l'arbre, tout le long, là, jusqu'au mur, pour la maîtresse, pour des petites plantations, tout ça? Il ne fera pas le goudron, en fait. Oui, parce que là, il ne fera pas le goudron. Donc, c'est cette bande. C'est 50 cm sur toute la longueur. La largeur de l'arbre, en fait. C'est 1 mètre. Parce qu'il va changer la face des choses. Non, mais d'après moi. Parce qu'il y a peut-être des bordures en salé, tout ça ne s'agit pas. Un mini trottoir, quoi. Tout ça ne s'agit pas. Bon, alors, en conclusion. On refait des devis pour l'école. On refait un devis pour l'école avec un groupé. Il y a aussi une bande de mètres. Donc, en tenant compte de la suppression du toboggan,
Donc vous vous demandez un enrobé, monsieur Vardenham, qu'on met les lèvres de vie à peu près. D'accord. Un enrobé. Oui. Donc on est tous d'accord pour enlever l'arbre. Ah, les fenêtres. Les fenêtres, j'ai simplement fait faire un devis de 5 fenêtres pour un PVC plus ordinaire, en attendant d'en discuter en réunion de conseil. Donc j'ai un devis d'environ 3 000 euros et un de 2 600. 3 000 euros en étant, je peux. Bon, je sais pas combien de noms qu'il faudrait, si vous voulez en garder un, il faut que vous le premier, on conserve les vitres de la même dimension, et sur le deuxième, c'est le simple vitre, de toute la hauteur. Double vitrage, très classique. Ah oui, double vitre, la vitre, quoi. En PVC. Donc, normalement, ça, ça peut se revoir, le bâtiment de la vitre, dès qu'on n'est pas savoir, peut-être, et donc, on va. Je comprends aussi que vous êtes chez moi, parce que. Le problème de c'est que seulement de l'entretien. Le problème de c'est que seulement de l'entretien. Le PVC, c'est. Oui. Et qu'il y a des PVC de couleur aussi qui peuvent très bien s'intégrer au bâtiment. C'est plus cher à mettre le prix. Bon, le devis, c'est le demande de subvention. Bien sûr, d'ici là, on a le temps de voir. Parce que c'est les vitres qui résistent au ballon. Dans la grille, de toute manière, elle ne va pas bouger la grille. Oui, mais la grille, comme il disait M. Pellier, elle s'arrête à un bout et le ballon passe de l'autre côté. Donc, il casse les vitres. Parce que la grille ne fait pas toute la fenêtre. Ce qui va protéger, c'est. C'est combien le 3 ? Je peux faire 4-16-4 ou 4-16-4 ? Je ne sais pas, on prépare la bonne vitre. C'est costaud quand même. 4-16-4. 4-16-4, plus costaud que les vitres, les petites vitres. En plus, les petites vitres, c'est avec des boulards, comme des billes, non pas des ballons. Donc, c'est pas pareil. Ces petites vitres sont plus fragiles là. Oui, on le dépose en frire, en pelle et tout ce qu'il y a dedans. Vous êtes d'accord ? Après, il y avait la création d'un columbarium, mais là vous n'avez pas eu encore. Ah non, je ne sais pas, encore, vous, vous les aurez la prochaine réunion en conseil, je peux vous les apporter. J'en aurai 3. D'accord. Après, il y a 3 ans de nouvelles postes. Mais voilà, il faut que la commission des travaux ait jeté un coup d'œil, un petit peu à cette poste, voir ce qu'il y a à faire. Les services de la PAC, là, ils sont passés ou pas ? Non. Il faut que je reprenne contact avec eux. Avec les lieux. Donc ça, on en reparle. Il faut qu'on fixe une réunion. Plutôt le week-end. Plutôt très rapidement. Après le week-end ou pas, je crois que. Mais on vient de perdre 6 mois avec cette. Pas 6 mois, mais 4 mois avec cette poste. Donc, il n'y a pas de péril à la demeure. Hein. Il n'y a pas de péril à la demeure. Hein. Non, mais bon. Et les gens, la poste elle marche, l'agence postale marche. Oui, non, mais c'est bien, mais c'est sûr. Il n'y a aucune urgence ici. N'empêche que moi demain, au mois d'avril, on devait faire passer la preuve au mois de novembre. Il n'a pas encore été contacté. Donc il n'y a pas d'urgence. Mais à ce rythme-là, voilà quoi. Bon, murette poubelle, sachez qu'on prévoit toujours la somme pour les murettes poubelles, mais il y a toujours autre chose qui passe. Mais il y a toujours ça a toujours été prévu depuis 2008 au budget. L'achat des piquets, tout ça, pour faire les murettes. Et il y a eu d'autres choses toujours avant, et c'est vrai que la laine n'a jamais eu le temps
le temps de continuer. Mais ça n'a pas été arrêté volontairement. Voilà. Et puis dans les 25 jours, que, les 7 jours, il faut prévoir tous les... Mais là aussi, il faut trouver un emplacement, il faut voir comment le construire en bois, en pierre. Il faut voir. Il faut mettre ça correctement dans le village. Alors, il faut, c'est vrai qu'on en parle, mais on fait bien. C'est bien d'en parler, oui, mais bon, ça ne suffit pas. Quoi. Bon, donc là, pour les travaux, pour l'instant, on est... C'est bon pour les travaux pour le, on passe au deuxième point. Le deuxième point, c'est l'augmentation du rendement de critique. Alors, je vous lis le courrier de M. Mann, qui est le percepteur. La loi de finances 2012 a institué le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC. Donc, notre collectivité est à la fois contributrice et bénéficiaire de ce fonds. C'est-à-dire, alors, reversement, donc on va nous reverser la somme de 1 715 €, donc c'est une recette. En échange, puisqu'on est aussi, on doit la somme de 234 €. Donc on nous donne d'un côté, on nous réclame de l'autre. Donc la recette, si on compte 73,25, les 234 € qu'on doit reversé est au compte 739,25. Donc, ces deux comptes, enfin, ce compte est rattaché au chapitre 14, en dépenses de fonctionnement. Donc, il demande qu'on mette cet argent, par délibération, dès que possible, des crédits budgétaires suffisants afin que les mandats puissent être émis en 2012. Voilà. Et donc, il faut que ça soit fait en novembre. Ce mois-ci, ça, c'est les jeux de futur. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Non, pas très bien. Au titre du FPIC, on a droit à la somme de 1 715 €. Donc, comme il le dit bien, on est à la fois bénéficiaire de ce fonds et on doit aussi payer, reverser. Et on doit reverser la somme de 234 €. Donc, on reçoit 1 715 et on reverse 234 €. Oui, mais je ne comprends pas très bien. C'est comme ça. C'est la réalité. Ah, mais ça, c'est des calculs. Ça, c'est fiscalité. Et sur quel article le reversement des 1 715 € sont sur le compte 73,25. Et le prélèvement, les 234, il faut le prendre sur le compte 739,25. Alors évidemment, comme c'est des sommes qui n'avaient pas été prévues ni dans un service ni dans l'autre, on reste excédentaire. Oui, donc il n'y a pas de problème. Oui, donc, on reçoit tout ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait des 1 500 €? Alors, le reste, donc... 1 715 moins 234, on peut les affecter à... Non, eux, ils vont au compte 60-68. Ils vont servir. 60-68. Donc, ils vont servir. C'est un compte qui sert à, pour les fleurs du village, pour la peinture du tennis. En gros, voilà, pour les fleurs. Et c'est arrêté d'autorité, ça? Sur le compte 60-68. Ah ben, oui, ça n'a pas marché même. Non, mais il ne nous demande pas notre avis. Si on veut le mettre en publicité ou si on veut le mettre en travaux d'investissement ou quelque chose. C'est un peu dans le budget. On n'a pas le droit de le mettre où on veut. On n'a pas le droit d'utiliser comme on veut. Oui, mais bon, on a peut-être ce compte avec la peinture du tennis. On en a besoin de cette somme. On en a besoin. Pourquoi il la manque? Il ne manque pas énormément, mais bon, ça aurait été équilibré, ça aurait été bien.
Finalement, que ça, c'est grave. Non, ce n'est pas grave. Non, non, parce que c'est un compte, ce n'est pas un chapitre, monsieur Bordeaux. Donc, ce n'est pas grave. Eh bien, il faut quand même délibérer de ça. Oui, voilà. Non, mais là, on n'a pas délibéré. Il faut qu'on donne l'accord à monsieur Mal de faire cette manipulation. Mm-hmm. Donc, qu'il nous verse les 1715 euros. Donc là, la manipulation, c'est le changement d'écriture, là, c'est pour nous verser les 1700 euros et reverser les 200 et quelques euros. Oui, au fond. D'accord. Voilà. Là, pour l'instant, le virement de crédit, ça concerne ça. Voilà. Et après, le reste, bon, je conseille de le mettre sur le compte pour avoir les fleurs, les arbres, pour embellir le village et pour la peinture du tennis. Voilà. Pour moi, c'est du plus, hein. Normalement, c'est le tennis, tout ça, parce que vous l'aviez rentré dans le budget, tout ça. Ça, c'est un plus qu'on devrait utiliser pour autre chose. C'est la question que je vous pose, là. On est obligé, systématiquement, c'est Monsieur Mann qui nous dit, c'est en compte 606-08. Non, c'est pas Monsieur Mann qui dit que c'est le compte 606-08. Oui, 606-08. C'est le compte par rapport, c'est l'endroit où il serait nécessaire de rajouter cette somme pour la peinture du tennis. Parce que la peinture du tennis, on avait commandé la quantité adéquate, donc nécessaire, mais vu l'état du tennis, ça a demandé beaucoup plus de peinture. Parce que ça a vraiment tellement pompé que ça, ce n'était pas prévu. Donc, on a et les pots de peinture étaient si chers que cela. C'est la peinture pour du tennis. C'est combien la réfection du tennis? Comment? Le devis de la réfection du tennis, c'est combien? Le montant, ça s'élève à 3600 de peinture. Mais parce que ça n'a pas été un entretien normal, alors que si ça avait été entretenu normalement, il n'y aurait pas eu autant de peinture. Un entretien normal. Mais régulièrement. Un entretien régulier. Ça se repère pas chaque année. Je n'ai pas dit chaque année, mais bon, un entretien régulier. Là, c'était vraiment, il était mort ce terrain de tennis. Il fallait le faire avant. Ah, je vais le faire avant. Je vais le faire avant. Et pourquoi vous l'avez pas fait avant? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'on a fait beaucoup de choses, monsieur. Non, mais c'est pour ça que je vous dis. Et donc, on ne peut pas tout faire la première année. Vous n'avez pas pu faire un devis de tennis parce que vous auriez pu, comme il a fallu à ce moment-là, de faire du retour. Non, parce que c'est sur le terrain. Parce que quand on prend une surface, sur le tennis, il n'y a pas 50 000 surfaces. On commande tant de peinture pour la surface d'un tennis, et bien finalement, quand le commercial est venu voir ce tennis, il a halluciné. Il est tombé des nues. Bon, voilà. Bon, on va pas revenir sur le tennis, hein, parce qu'il est propre, il est beau. Oui, voilà. Et il n'a jamais été entretenu comme tu l'as écrit par. Ben, écoutez, il a été peint la dernière fois quand? Après, quand il a été peint. Peint jamais. En 2007, il était fatigué, mais il était encore en état. On est en 2012. Voilà. S'il en avait. Donc, il en avait. Il en avait besoin. Voilà, il en avait besoin. Donc, c'est l'entretien du village. Il en avait besoin. Alors, ça, à la limite, c'est pas grave. Mais tu l'as écrit déjà 3 ou 4 reprises. Tu peux l'écrire encore, c'est pas grave. Mais vraiment, s'il était en très mauvais état, tu es très responsable de toi. Non, je ne suis pas responsable moi-même. Parce que quand on est là depuis 4 ans, on a fait beaucoup de choses et on ne veut pas tout faire à la première année. Ça, c'est notre problème. Surtout financièrement. Donc, on fait les choses petit à petit. Donc, je ne suis pas responsable de l'état du tennis. Par contre, on est responsable si on ne l'entretient pas. Et ça a été entretenu, donc tout le monde est tranquille au moins pour 10 ans, je pense. Voilà. Mais au moins, c'est fait. Voilà. C'est l'entretien du village, notamment le tennis. Voilà. Donc, il serait nécessaire de mettre le reste du montant pour ensuite acheter des fleurs, des arbres, enfin, pour continuer à embellir le coin, aire de jeu, aire de pique-nique. Voilà. Moi, pourquoi on ne garde pas, moi, je ne garderai pas pour l'air de jeu de l'école, puisqu'on ne connaît pas le montant. Là, il y a 1481 euros, très précisément. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre plutôt dans l'air de jeu? On n'a pas le montant. On prend l'argent pour le tennis, on va voir les gens, on prend l'argent dans notre côté, c'est pas méchant. Je fais ce que vous voulez. Non, c'est de l'argent qui arrive en plus. À partir du moment où à partir du moment où le budget que vous nous avez présenté a été entériné par monsieur le préfet, donc dans le compte de la rénovation du tennis, il y avait une certaine somme qui avait été prévue. Oui. Cette somme a été dépensée. Dépensée, je suis d'accord avec vous. Donc ici, aujourd'hui, arrive sur un autre poste les 1481 euros, 1715 moins 234. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas garder, puisque le budget a été entériné, ça a été dépensé et tout, est-ce que ces 1481 euros, on ne peut pas les garder pour faire quelque chose de, puisqu'on parlait de l'aire de jeu tout à l'heure, pour le cours de l'école, ou pour, je ne sais pas moi, quelque chose qui n'était pas prévu sur le budget
qui est entériné, qui est en cours de dépense, mais l'avoir sur une réserve à venir. Si vous voulez, alors on a une réserve. Mais les imprimés. Les dépenses imprimées. Tout le monde est d'accord. Qui est d'accord pour cette opération ? En dépenses imprévues, oui, mais là, c'est ici d'abord. Il n'y a pas un compte social. Oui, il y a un compte spécial pour les dépenses imprévues. Oui. Si je récapitule, on a le cas 1715, on reverse 264, il reste 1480. Ok, d'accord. Tout le monde est d'accord? Non, il n'y a, pas un compte pour, pour l'intérêt du village. Mais c'est tout ça, on peut la prendre pour. Oui, non, mais que ça soit mis dans vraiment quelque chose, une action sociale. Une action sociale? Je sais pas. C'est reversé à la commune, c'est reversé à l'ensemble des. Oui, des... Ça nous permet peut-être de. C'est des dépenses imprévues, ça veut tout dire à rien dire, on va pouvoir l'utiliser pour faire. Et non, parce qu'on lui dit, si là on le prévoit pour faire le. Pour l'air de jeu, on ne va pas l'utiliser pour autre chose. On le sait dans les pour l'air de jeu, et on est tous d'accord pour, si jamais, le faire pour l'air de jeu. Mais on peut le mettre directement à ce moment-là en petits équipements, puisque ce sont des équipements. Ça, je ne sais pas si ça correspond à l'air de jeu. C'est des équipements qui ne sont pas pris en compte en investissement, donc ils ne sont pas amortissables. Pardon ? L'air de jeu ? Tout dépendra du montant de la somme. En tous les cas, on peut garder, on vote pour oui, mais à la condition que ça soit reversé ou gardé pour l'air de jeu de l'école. Tout à fait. Ça, je ne sais pas si on peut vraiment le spécifier. Ça sera noté. Okay, qu'on note tout. C'est un engagement moral. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas d'unanimité. Donc tout le monde est d'accord. Oui. Alors après, il y a la demande de subvention auprès du Fonds national de prévention, CNARCN, dans le cadre de la prévention des risques professionnels. C'est-à-dire qu'on demande une subvention pour qu'on nous aide à acheter des équipements pour les employés ou pour les former dans leur cadre du travail, bien sûr. Par rapport aux risques professionnels, donc ils vont nous prévenir que des risques. Donc c'est vraiment améliorer au maximum la prévention, responsabilité des parents. Donc il y a déjà un monsieur qui est venu, qui a fait un état des lieux, entre guillemets, de la situation sur Saint-Martin-d'Or.